Vous savez, le gouvernement a présenté une loi qui va aller à l'Assemblée nationale, qui risque d'être votée demain, jeudi, mais qui pour nous est dangereuse. Cette loi dit que dans toutes les régions du Nord, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudini, Menaka, on va changer tous les maires, tous les conseils municipaux, tous les conseils de cercle, tous les présidents de conseils de cercle, tous les présidents de régions et tous les conseillers régionaux. Et qu'ils seront remplacés par des gens désignés par les mouvements, la plateforme et la CMA, plus le gouvernement. Les autorités traditionnelles, à chaque fois, n'ont que deux personnes. Ça veut dire que les mouvements seront majoritaires. Même s'il était prévu dans des accords des autorités intérimaires, il faut le faire avec beaucoup plus d'intelligence. Vous avez des communes, ils n'ont jamais vu la CMA, ils n'ont jamais vu la plateforme. Des communes qui, malgré l'insécurité, malgré les difficultés, ont été gérées et bien gérées. Nous avons trouvé que c'est injuste aujourd'hui de prendre ces communes, d'enlever ces maires, d'enlever ces conseils municipaux pour les ramener des gens qui ne connaissent pas, des gens qui sont venus d'ailleurs et qui ont la seule qualité qu'ils ont, ces gens, c'est qu'ils étaient dans des groupes armés. Ça veut dire donc qu'on fait une prime à l'armement. Ceci nous paraît absolument inacceptable. C'est ça que nous sommes venus ici pour dénoncer. La deuxième chose, pourquoi on dénonce ? Parce que prendre l'ensemble des régions du Nord, les répartir comme ça, c'est de donner le pouvoir au groupe armé, tout simplement. Et surtout, c'est de diviser le pays en deux. Nous pensons que ce n'est pas de bon aloi aujourd'hui. Il y a des communes où il y a eu de l'insécurité. J'ai donné l'exemple de la commune 4 à Bamako, de la commune 2 à Bamako. Il y a eu des problèmes à Misséni, il y a eu des problèmes à Fakola. Est-ce qu'on va mettre des autorités intérimaires à Bamako ? Certainement pas, parce que les maires et les conseils municipaux de Bamako, ils continuent à gérer malgré cette insécurité qui est quotidienne. Il suffit de traverser les ponts la nuit pour savoir que ce n'est pas facile, pour savoir que Bamako est quelque part en état de siège. Donc nous avons proposé au gouvernement d'abord de retirer cette loi, de nous asseoir ensemble, de rediscuter tout ça, d'être plus pragmatique sur son application. L'autre aspect aussi que nous dénonçons, c'est que l'opposition est absente de ça. Le gouvernement va désigner des gens. Ils vont prendre des anciens conseillers, mais ils vont prendre ceux qui sont de la majorité. Mais je crois que ce n'est pas juste. Vous allez trouver des communes où la majorité des conseillers sont de l'opposition. Et ces communes-là, on va les enlever, on va mettre les groupes armés, on va mettre les gens de la majorité. Je crois que ce n'est pas une démarche qui aide à la paix sociale. Mais il n'est jamais tard. Il est toujours bon d'écouter les gens. Nous demandons au gouvernement de nous écouter, qu'on s'asseye avec les gens concernés. Parce que dans le Nord, les gens ne sont pas d'accord. Je viens de Gao, je viens de Tombouctou. Nous avons été fortement interpellés sur ces aspects-là. Les gens ne sont pas d'accord à ce qu'on les enlève purement et simplement pour amener des gens qu'ils ne connaissent pas, des gens qui ne représentent pas grand-chose chez eux. Et je crois que cela n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi nous avons fait cette conférence. Pour que vous puissiez relayer notre point de vue, pour que vous soyez, l'opinion publique soit témoin de la prise de position de l'opposition. Et si jamais cet appel n'est pas entendu par le... Si l'appel n'est pas entendu, nous sommes tous concernés. Nous allons faire notre vote, nous allons voter contre la loi. Nous avons donné instruction à nos députés de voter contre. Mais la majorité va décider au nom de l'ensemble du peuple malien. Je le dis souvent que la démocratie, il y a trois piliers. Il y a la majorité, il y a l'opposition, mais le plus gros morceau, c'est la société civile. Elle est concernée, elle se tait, elle approuve. Mais quand ça va se passer, que ça va mal se passer, mais on est tous concernés. Ce n'est pas une affaire que de l'opposition, mais il est de notre rôle d'attirer l'attention, parce que je pense que notre clairvoyance doit aider. Et nous avons regardé, nous avons vu, nous avons dit, attention, ce n'est pas un bon chemin. Nous avons dit que l'accord n'est pas bon, mais nous avons dit que nous prenions acte de l'accord. Et nous n'avons rien fait qui puisse empêcher l'accord d'avancer. Nous avons même été à l'initiative d'une rencontre. Opposition, majorité, société civile et groupe armé. C'est une initiative de l'opposition pour qu'on se parle, pour qu'on sache qu'est-ce qui ne va pas, qu'on essaie de trouver des solutions ensemble. Il faut que les Maliens se parlent. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on n'a pas d'idées. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on ne veut pas la paix. On veut la paix. Et sans la paix, vos camarades ont posé le problème de la vie chère. Tout ça, c'est lié à la paix et à la sécurité. Voilà vraiment le sens profond de notre arrivée. Non, mais je crois que ce que nous nous proposons, c'est d'abord, si on veut faire des autorités intérimaires, il faut les faire là où c'est nécessaire. Donc ça veut dire qu'asseyons-nous, regardons
Le nombre de communes est connu. Le nombre de cercles est connu. On sait ce qui se passe dans tel cercle, dans telle commune. Et là, on décide. Et là, il faut faire quelque chose. Mais quand il faut faire quelque chose, il faut associer tout le monde. Il faut associer les sociétés civiles. Il faut associer l'opposition. Il faut associer les politiques. Pour que la mairie qui va être mise en place soit une mairie qui est gérable. C'est une mairie qui est gérable. Mais ça, ça ne peut pas se faire sans concertation. Et nous avons dit, retirez la loi. Faisons ça. Ensuite, nous avons beaucoup insisté sur les aspects juridiques. Vous savez, dans notre constitution, tout ce qui concerne les collectivités doit passer dans ce qu'on appelle la deuxième chambre. C'est le Haut Conseil des collectivités. Ils doivent donner leur avis. Même si c'est juste dire, on est d'accord avec le projet du gouvernement. Mais ça a même été sauté. C'est venu directement du gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est une violation flagrante de la constitution. Qu'est-ce que ça coûte de prendre une semaine, de montrer au Conseil des collectivités qui se réunit là-dessus, qui fait un rapport pour dire on est d'accord? Mais c'est tout ce qu'on demande. Et je crois que si le gouvernement même ne respecte pas la Constitution, ne respecte pas les procédures, mais on va vers l'anarchie. Alors pourquoi parle-t-on de l'enterre au niveau de la mise en œuvre de l'accord? De la mise en œuvre de l'accord, pourquoi parle-t-on de l'enterre? Mais il est l'enterre parce qu'elle n'est toujours pas mise en œuvre. Là, c'est signé depuis quand? Ça va faire bientôt un an. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu plus d'insécurité qu'avant. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de notoriété publique. Tout le monde voit que les choses ne bougent pas et ça n'avance pas. C'est pour ça qu'on parle de lenteur. Gouvernement ko région Mounoubé Nord là, Mie Tumutu, Kidal, Gao, Menaka, Ani Ansongo, Kabina Makroubla, Meru Nona, Kamakroubla, président du conseil des cercles Nona, Kamakroubla, président de région Nona. Ote Bachire, mais Yoromina Bachite, Agneta la Mouna, Loube Bou Nona. Mouna, parce que Oubafé Gaminke, mi groupe armé, ni Mouatani Wolom la Kanga sur le conseil là, et va sur Durubedi, groupe armé CMAMA, Durubedi plateforme, Durubedi gouvernement à Flabedi, Yorom Rouma. On croit que le groupe armé à Tarayuroro, le débat qui est majorité, Yamana Taraka Douma, en gros manquant, parce qu'il y avait Mouau Farafara. Il est parti, il est Merisigi, politique Mouau Fon Fembala, gouvernement de Badi, au coup ils sont trois têtes. Flana, mi me jamana tla, c'est qu'avec les régions du nord ou du nord là, pour qu'attaquer ma détour. Et hamdallah, yango mwa osara, bamo kwe yang, dongo doni be pointi ke chufe iba do gelambal. Pour que autorité intérimaire te kebe mako fana, ma libe te kele yang. Pour que fan do tabe sharia be keta, sam yoro vere sharia be keta. Jamana te dila, jamana te tablo tete, jamana be de sharia kile, donc ou ka sharia kile. Anye mi fouye, ou ka loin y retire, mwa kousi kakuma. Angalage ni commune mi mairie mi gleyabala mérité conseiller té dougoutité mochité anga mo gnyé ko demé pour que yoro ka sigi pour que autorité ka ké yoro mina problème té ou falen ko o ya flané sabana ango constitution mi be mali yere tabulo be constitution o ko fè on fè ni collectivité ko fè on fè mairie ko ni cercle ko ni région ko ça na ka sé assemblée là akanga sé au conseil des collectivités de là. Et aussi, il y a un charia. Le gouvernement est fait directement au gouvernement de l'Assemblée. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a vraiment un peu de temps. Il y a un peu de temps. Quand il y a un accord signé, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Quand il y a un papier, il y a un peu de temps. Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un forum de Kidal. Le gouvernement est dit que le forum est à Kera. Le gouvernement est là, la plateforme est là. C'est ma mort qui est le forum. Donc, on a dit qu'il faut que les gens opposition de rentrer. Ils ont opposition à ce qu'ils ont. Et le gouvernement a bien, le gouvernement a voté. Sini, on va voter contre. Mais la majorité a voté. Vous savez, il y a des Maliens qui ont voté. Il y a une opposition de rentrer. Il y a une bête. Bête d'où. Mère Mounous Gilembe, bébé d'où 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 bébé commune d'où d'où bébé n'a mère Kouraï Kayorola. Il était mindon, il était boirodon. A ka fanga e fenkelen de ay muguta o kore e kibe mo pousser ni mi ma malfata ka muguta mi mbulo o te fanga sro o may no karabe jamana noni abe jamana chen amba fe jamana ka to anona
Maliens qui n'ont pas terminé, qui n'ont pas été unique des ambo baradé là, on est comme habi, une clini à ma somme, on en a foyer au cas lassé, qui maman, qui a foyer fana, ambe opposition là, ambe la fière des faits, ambe opposition là, donc quoi au cas où on revient là, quoi, mon auté, qui a pas couru fliqué, mon auté beau, un grand beau, parce qu'ambe seria des bateaux, seria quoi, ni mieux fanga sur fanga avec calfou là, ambe opposition là, ni mani anga fo, ni mieux en hâte la taille ango fo. On a fait l'assemblée, on a fait la presse, on a fait le diamant. Mais Mali, on a fait le Congo. Pour d'Alger, on a fait le Mali. On a fait le Mali. Bella main, bella sigi. On a fait le Mali. 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 Aka yamaria di okasigi fendoka aka mugo la sigi akula me anga la je jamana ambe de tada ambe de bi jamana ife jamana de kada ambe ni pour que jamana ka tanya donc vraiment barabale de bulo ali kanka ali dambe koroye ali dambe faibi ali kanka hakli nyuma di jamana de umba pour que malika bonyo wala haketo bana.